Est-ce que le sacrement de pénitence pourrait être donné avec l'absolution venant du prêtre? Est-ce qu'il pourrait être donné par téléphone ou par Skype, par exemple, en voyant le visage de la personne qui se confesse à travers les lignes Internet? Alors, je dirais que sur ce point de vue, d'abord, il n'y a pas eu de décision du Vatican. Le Vatican ne s'est pas prononcé. Mais qu'il y a deux avis. Il y a des prêtres qui disent « Non, ce n'est pas possible à cause de l'essence même du sacrement. » Ça veut dire que le sacrement implique le fait qu'on donne une absolution avec une bénédiction qui est prononcée et ça doit être donc fait en présence de la personne. Un petit peu comme d'ailleurs le baptême. Le baptême ne peut être donné qu'en versant l'eau sur la peau de celui qui est baptisé. Ça veut dire qu'on ne peut pas baptiser un enfant qui est encore dans le ventre d'une maman parce que l'eau ne touchera pas son corps. Deuxième argument, ces personnes disent que, en fait, il pourrait y avoir erreur sur la personne, par exemple au téléphone, parce qu'on ne voit pas le visage de la personne. Et donc, que ça pourrait être un risque de voir des conseils spirituels, parce qu'on connaît la personne ou qu'on croit la connaître, dévoilés. Alors, qu'en est-il de ces deux arguments? Le premier, à savoir que la personne doit être présente, a été, je dirais, répondu par l'Église, qui a admis qu'une bénédiction, pouvait être donnée à la messe du dimanche lorsque des personnes âgées sont devant leur télévision. Elles reçoivent le bénéfice de cette bénédiction alors qu'elles ne sont pas à l'église, elles ne sont pas devant le prêtre, mais elles le voient qu'il le donne à la télévision. Pour ce qui est du deuxième argument, à savoir le secret de confession, eh bien, il est évidemment un danger pastoral, mais il est contré par le fait que maintenant, en se téléphonant, on peut se voir. Donc je conclurai, à partir de ces deux réponses, que manifestement, en tout cas il me semble, c'est mon opinion, jusqu'à ce que peut-être l'Église dise autre chose, il me semble que le sacrement de pénitence peut être donné au téléphone, véritablement. Et que ça peut être un moyen extrêmement pratique, vu parfois l'éloignement des personnes qui sont, par exemple, en Amazonie, loin de tout prêtre, mais avec des téléphones tout de même satellites, eh bien, ça pourrait être une façon de faire parvenir les grâces du Christ très loin, alors que le prêtre ne peut pas se déplacer. En fait, je pourrais dire que l'inconvénient de ce téléphone, donc de ce contact à distance, est le même que celui qui distingue une rencontre personnelle où on se voit, et puis une téléconférence. Ça veut dire que c'est tout de même pas pareil de se voir, d'être en contact concret avec le prêtre, et d'être très loin. Mais je pense que le sacrement, l'effet spirituel du sacrement lui-même, eh bien, n'est pas arrêté, évidemment, par cette distance. L'effet du sacrement n'est pas physique, il est spirituel. Et d'autre part, le sacrement-là n'a pas une matière physique à déposer sur une personne, mais, je dirais, une attention, une prononciation d'une parole spirituelle qui indique à la personne que ses péchés sont pardonnés. À chacun de se faire une opinion et peut-être que d'autres répondront à cette vidéo.